Hey, what's up? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien et que tu fais les choses bien. Aujourd'hui, j'ai envie de te proposer une petite vidéo pour pouvoir t'améliorer et compléter le programme type que j'ai fait en playlist. Tout d'abord, et ce qui est normal, je tiens vraiment à tous vous remercier. Vraiment, c'est incroyable. Je m'attendais vraiment pas à avoir autant de messages, autant de soutien, autant d'entraide, autant de respect vis-à-vis de moi, vis-à-vis du travail que j'ai fourni. Que ce soit dans les commentaires, dans les j'aime, dans les partages, dans les personnes qui viennent me voir sur Instagram pour me remercier, pour me soutenir. En fait, c'est trop. Et je vous remercie énormément pour ça. Et comme je le dis souvent, on grandira ensemble. Et bien entendu, je vais pas te laisser comme ça, d'accord? Il y a une deuxième playlist qui est en train de se créer. Il me manque deux vidéos actuellement. Ce sont des programmes spéciaux points faibles pour un seul muscle. Tu vois? Ça, c'est intéressant si par exemple tu veux faire un programme type et tu veux faire un autre programme juste derrière d'un muscle que toi tu as envie de travailler ou que toi tu juges que tu as du retard dessus. Bah, tu peux faire en plus, ça peut être intéressant. Donc, ça arrive. Par contre, il y aura 5 épisodes. Et je vais laisser, 5 épisodes. Je me crois déjà en train de faire une série. Mais si tu veux voir un muscle ou si le muscle que tu as envie de bosser n'est pas dedans, je t'invite à l'écrire dans les commentaires parce que les commentaires, c'est important. Et la playlist de points faibles, c'est une playlist qui va grandir. La playlist de programme type, elle va rester comme ça pour le moment. Ou peut-être programme type poids de corps, je vais rajouter ça en dessous. On verra. Et aussi, très important, j'ai un projet pour le mois prochain, c'est de te faire une playlist avec mon programme cette fois-ci. Parce que là, clairement, le programme type s'adresse à tout le monde. À ceux qui débutent, à ceux qui sont avancés, à ceux qui savent pas trop quoi faire en musculation, qui veulent suivre un programme, que c'est un programme type. Mais là, j'ai envie de te faire mon programme. Un programme complexe, dur, intense. Si tu es curieux, si tu as envie de progresser, si tu veux aller beaucoup plus loin, si tu veux avoir beaucoup plus mal, bah ce programme sera fait pour toi. Mais ça, voilà, je vais le faire le mois prochain, le temps de bien le préparer et le temps de pas te mettre des programmes tous les jours d'un coup, parce que ça, je peux le faire clairement. Mais j'ai envie de laisser le temps de faire grandir des programmes, laisser le temps aux personnes d'évoluer et après mettre de la difficulté. Donc, on va voir peut-être que tous les mois, on va balancer un petit programme. On verra. Maintenant que tout ça c'est dit, passons au sujet initial de cette vidéo. Comment améliorer ton programme? Comment durcir ton programme afin d'évoluer encore plus? C'est maintenant. Bon, pour le premier exercice, pec-épaule. Tu peux remarquer que tu n'as que un exercice épaule à la fin. C'est normal. Tout simplement que je voulais que le programme ne soit pas trop long. Tu vois, et aussi ce programme a été fait intelligemment dans le sens où tous les exercices de type développé couché, ben tes épaules ils sont engagés, tu vois, c'est-à-dire que l'avant des épaules est engagé, donc tu bosses un peu tes épaules. C'est pour ça qu'à la fin j'ai rajouté un exercice d'élévation latérale, mais tu peux compléter l'entraînement des épaules avec des programmes épaules que j'ai déjà fait sur ma chaîne. Soit toi, tu as des programmes épaules ou des exercices épaules que tu veux faire, ou soit si tu sais pas quoi faire, bah sur ma chaîne, j'ai fait des programmes épaules en 3 exercices que tu peux suivre juste après, et ça va compléter ton programme. Tu peux également aussi soit faire un petit programme haut des pecs ou un programme centre des pecs afin de t'améliorer au niveau des pectoraux. Très important. Le programme bas des pecs, je ne le conseille pas avec celui-là parce que ça fera un surentraînement au niveau des pecs et c'est pas intéressant. Enfin, au niveau de la même partie des pecs et c'est pas intéressant. Donc, soit un programme haut des pecs, soit un programme bas des pecs ou alors un programme épaule. Pour le deuxième programme biceps-triceps, ben, il n'y a pas de photo, hein. J'ai fait plusieurs programmes biceps, plusieurs programmes triceps. Je te conseille d'en choisir un, d'accord? C'est soit tu te dis dans cette séance, je vais plus bosser les biceps, tu te fais un programme biceps derrière, ou soit tu te dis, voilà, j'ai envie de bosser plus les triceps, et tu fais un programme triceps derrière en plus. Sachant que si tu veux un gros bras, je précise, favorise le travail des triceps que le travail des biceps. C'est très important. Le biceps va te donner une esthétique, une belle boule. Et le triceps va te donner vraiment ce gros bras, d'accord? Donc si tu veux un gros bras,
bosse tes triceps, je le dirai jamais assez. Pour le programme dos, trapèze, arrière, épaule, c'est très intéressant parce que c'est un programme assez structuré que j'ai fait. Je voulais faire un programme pour travailler l'ensemble des muscles du dos et être carré à ce sujet. Si tu veux, du moins, améliorer ce programme dos qui est déjà très bien, je te conseille vivement de rajouter des tractions au début si tu sais en faire. C'est très très bien. Traction, meilleur mouvement pour le dos. J'ai pas mis de traction dans ce programme là parce que je voulais faire un programme entièrement aux haltères, tu vois. Donc je me suis dit, voilà, une personne qui a que des haltères et rien d'autre pourra faire ce programme sans problème. Et je sais que c'est frustrant de pas pouvoir faire un exercice dans un programme. Donc pour ce programme là, j'ai tout mis aux haltères. Mais tu fais la traction avant. À l'échauffement, tu peux te faire un 4 fois 10 reps, 1 minute 30 de repos en traction. C'est très intéressant. À la fin, tu peux travailler tes lombaires avec les exercices abdos que j'ai mis dans mes premiers programmes. Très important, les lombaires et le dos, c'est très très important. Mais aussi, pour compléter ce programme dos, trapèze, arrière-épaule, tu peux soit te faire une petite séance biceps juste après, ou bien alors une séance épaule, avant ou latérale ou arrière épaule. Tu peux te faire une séance épaule ou biceps avec ce programme dos, trapèze, arrière, épaule. Pour le programme jambes et abdos, c'est un peu plus compliqué parce que j'ai pas fait énormément de programmes jambes sur ma chaîne et mes programmes jambes se ressemblent énormément. Donc là, je pourrais pas te conseiller de rajouter un exercice. Le programme jambes, je te conseille de le laisser comme ça. Si tu comptes améliorer tous tes programmes, parce que ça te fera un jour, on va dire, où tu vas souffrir quand même au niveau des jambes, mais tu vas te reposer quand même, d'accord ? Ce sera un jour où tu vas pas trop envoyer, ok ? Mais je compte faire des programmes accentués sur les ischios, sur les quadris et aussi sur les fesses, afin de donner de la diversité dans ma chaîne, parce que je sais que les programmes jambes en général ne sont pas beaucoup vus sur ma chaîne, donc voilà, je le privilégie moi. Mais comme je sais que les programmes s'intéressent de plus en plus de monde sur cette chaîne-là, je me dois de faire des choses complètes. Donc, je vais sortir quelques séances fesses, quelques séances jambes, histoire que tu seras bien sur cette chaîne et améliorer ce programme jambes si tu le souhaites. Pour les abdos, bah, pareil, tu vois, j'ai quelques exercices abdos que tu peux rajouter. Mais là, si tu veux améliorer ça, tu peux mettre du gainage sur une minute. D'ailleurs, je vais faire une vidéo de gainage une minute par exercice. J'ai bien reçu les messages, je vais les faire. Et aussi, tu peux mettre des exos lombaires, d'accord ? Très important, les lombaires, il faut les faire. Donc, gainage plus lombaires. Et là, ton programme abdos, il est amélioré direct. Donc voilà les exercices que je te conseille pour améliorer ton programme, faire les choses bien par rapport à ça, le rendre plus dur et le rendre complet surtout. C'est très important parce qu'en musculation, tu verras que quand tu feras souvent le même programme, ça sera de plus en plus facile. Tu vas le faire, tu vas le refaire, tu vas le refaire et tu vas te dire, bon, vas-y, il me faut la difficulté. Et là, tu rajoutes cette difficulté-là. Tu rajoutes. Et quand tu auras réussi ça, bah, tu pourras faire mon programme à moi qui sortira bientôt. Ouais, parce que mon programme qui va sortir, ça ne sera pas le programme type. Ça ne sera pas le sourire, what's up, on va rigoler. Non, là, on va pleurer ensemble. Très important. Par contre, je tiens à dire une chose, j'en profite de cette vidéo pour discuter un peu. Je ne suis pas coach sportif, d'accord ? Je ne suis pas un coach sportif diplômé. J'ai beaucoup d'années de muscu. Je suis à ma 6e année de muscu. Il me semble en salle de sport, si je me trompe pas, et à peu près de 8 ans, il me semble en général, parce que j'ai fait beaucoup de poids de corps avant. J'ai juste quelques connaissances que je mets en pratique et que je partage avec vous. Très important, parce que j'ai eu la discussion avec un coach justement qui m'a dit que ouais, je fais des programmes à perte, où je fais du contenu à perte, genre mon contenu il sert à rien. Tu vois, parce que je pourrais le vendre. Je lui ai dit oui, je pourrais le vendre, mais je ne suis pas coach. Et je ne veux pas être coach. Mon but, c'est pas d'être coach. D'accord ? Mon but, c'est de partager, c'est de montrer. Et voilà. Sinon, j'ai une autre passion hein, qui est la vidéo. Limite, je suis vidéaste, tout ça. Mais au niveau du sport, pour moi, le sport, c'est un sport de partage. Enfin, le sport, c'est un sport. Le sport, c'est une pratique
de partage, d'accord? De partage, d'entraide, de soutien, de souffrance. Et je ne me vois pas te faire payer pour faire du sport, tu vois? Sachant que moi, j'ai développé un truc qui ne se fait pas, enfin du moins que je vois pas, c'est de faire du sport avec toi, c'est de t'accompagner, c'est d'être ton binôme, d'être ton partenaire de séance de souffrance. Tu vois? Et moi je trouve ça cool, parce que moi j'aurais aimé avoir ça, clairement. J'aurais aimé. Et j'ai dit au coach, ben, si mon concept te plaît, ben, t'as qu'à faire le même et tu le fais payant. Tu vois? Sachant que toi, tu as plus de connaissances que moi, vu que t'es coach, ça peut marcher. Moi, je vois plus ces choses comme ça. Mais voilà, c'est très important. Même dans les messages que je reçois sur Instagram, on me demande si je suis coach, depuis combien de temps et tout. Je suis pas coach, les mecs. Je suis pas coach. Ça veut dire que demain, avec les connaissances que je t'apporte, tu vas être comme moi. Enfin, je te le souhaite. Tu vas atteindre mon niveau physique. Ça aussi, je te le souhaite. Et tu auras les mêmes connaissances que moi. Tu seras pareil que moi. D'accord? Et au même niveau surtout. Tu seras pas coach, tu seras pas au-dessus, tu seras pas, à part si tu veux être coach, mais mon but c'est ça, c'est de te ramener à mon niveau. Parce que là voilà, j'apprends tous les jours en musculation. Mais la musculation, tu tournes en rond rapidement. Et mon but c'est de t'apprendre les bases. Et avec les bases, tu peux créer ton programme. Tu sais ce que ton corps aime. Tu sais avec quoi tu évolues. Tu sais avec quoi tu n'évolues pas. Et ça, c'est important que tu dois. Enfin, c'est important de savoir. D'accord? Et c'est ça que je vais t'apporter sur cette chaîne. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que tu as pu kiffer cette vidéo et apprendre plein de choses et que tu vas améliorer tes programmes cheap afin de les rendre un peu plus complexes et progresser en musculation plus rapidement. Parce que c'est ça le but aussi, c'est que tu progresses et que on progresse ensemble. D'accord? On avance ensemble, on progresse ensemble. Je tiens quand même à tous vous remercier encore une fois pour les j'aime, les commentaires et toute la force que vous m'apportez. Parce que moi, ça me motive et ça me pousse à proposer plus de contenu pour que la chaîne évolue, bien évidemment. Si t'as aimé cette vidéo, mets un j'aime, d'accord, c'est important. Abonne-toi à la chaîne, c'est pas fait, aussi à mon Instagram. Je rappelle, si t'as une question et tout, je réponds à tout le monde. Et moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.